Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Théo Griezmann. Wesh l'équipe. Aujourd'hui tu nous as ramené ta petite Petite grosse RS6 Performance, alors qui est un peu préparée. Un peu, légèrement. D'ailleurs je compte sur vous avant de commencer les amis, mettez un petit pouce bleu. Un pouce bleu c'est important. Ça fait pas longtemps que tu l'as la voiture, ça fait 3 semaines. Ouais non, ça fait à peu près 3 semaines, elle est passée au covering pendant une semaine et demie. Si j'ai une petite dédicace à faire par contre c'est à Pierre-Emerick Aubameyang. C'est à cause de lui que j'ai fait cette couleur là. Ça c'est quoi comme chrome exactement? Ça c'est un chrome 3M en fait, il est mat, un des seuls à l'avoir en France. Ce que t'as pas précisé c'est que t'as fait une petite prépa moteur aussi à côté. On est aux alentours des 750 chevaux avec plus de 1100 Nm de couple. Regardez-moi ça. T'as fait un téléphone à l'arrière aussi. Liseré jaune. Ligne complète Miltech, des katas, tout. Voilà. Au revoir, il n'y a plus rien dedans. Voilà. Petit logo Audi, passé en noir ici, le petit logo RS6, les feux teintés en noir. On a rajouté les lignes noires parce que le problème du chrome c'est que vu qu'il passe beaucoup de couches, souvent au milieu t'as une séparation au milieu du capot. On a retapé le toit aussi, on l'a remis tout en full black. En full black le toit comme vous pouvez voir. Et avec les rétros en carbone d'origine. T'as changé les jantes aussi? Ouais, changé les jantes, j'ai mis des Vélanor, j'ai pas les freins céramiques. T'as pas les freins céramiques et t'as passé les étriers en jaune. À l'avant, le petit logo qui est passé en jaune ici, le logo Audi en noir avec le logo Quattro juste en dessous qui est vraiment vénère. Tu m'as dit que ton préparateur il annonçait combien le 0 à 100 ? En 2 secondes 9. C'est mignon quoi, c'est bon, voilà. Le petit V8 TFS6 IDRS ici. Alors il faut savoir que sur les nouvelles RS6 c'est exactement le même moteur. Ouais, moi j'ai préféré choisir ce modèle là parce que pour moi la vraie RS6 c'est celle-ci. Puis un truc à savoir c'est aussi le moteur qui est dans le Urus. Le chrome ça ressort comme ça, ça ressort vraiment pas mal avec les détails jaunes comme vous pouvez voir. Le seul problème c'est l'entretien parce que c'est un film en fait qui est pas comme le covering normal. Comme on voit il y a des petites traces là. Ça c'est parce que j'ai mal lavé ça. Okay. Très mal la caisse. Ah ça se micro-raye ouais, vraiment vite. Ça se micro-raye vite en fait. T'avais quoi avant ça? Avant ça j'avais une classe A45 AMG. Comme moi, Miltech. Ouais, pareil, exactement. Regardez-moi ce monstre les amis. Au niveau de l'intérieur les amis, comme vous pouvez voir, ici on y retrouve les portières en carbone. Il y a un pack carbone sur la voiture. Ouais, tout est carbone. Là. Avec l'alcantara juste ici, du cuir, les enceintes Bose. Du coup c'est les sièges performants ceux-là. Avec les petits nids d'abeilles dans les sièges. Très sur sympa. Sur piqûre, ce que j'aime bien c'est qu'elles sont pas en couleur. Tu sais, je voulais vraiment que ce soit full black à l'intérieur de la caisse. Ouais, sobre, le logo RS6 ici. Pareil ici le logo RS6. Quand tu rentres dans la voiture, il retrouve le volant que tu vas changer bientôt. Ouais, je vais prendre exactement comme toi. Avec les petites palettes, bon ça reste encore des palettes en plastique, ouais. Ça c'est dommage. Tu vois ça c'est super con je trouve dans une caisse comme ça, surtout à ce prix là. Les palettes elles sont toutes petites tu vois. Attends, on va mettre en dynamique quand même pour démarrer. Je crois qu'elle est déjà en dynamique. Ouais tu coupes. <t'es... rire> Il perd jamais le temps, toujours en dynamique. Bordel. Du coup le rupteur est à 6007 les amis. Ce qu'on n'a pas précisé c'est que la ligne tu l'as posée il y a une semaine. Elle est même pas encore faite vraiment. Ouais voilà elle chante pas encore comme elle devrait chanter vraiment. Avec le rupteur qui est pas loin des 7000, le compteur cyclé jusqu'à 320 km/h. Ici on y retrouve du carbone. Ici un petit peu de noir laqué, très sympa. Mais ici par contre un peu de plastique c'est dommage. Moi j'aurais kiffé qu'ils fassent comme dans la 675 LT de McLaren tu sais. Ils ont fait tout le temps en Alcantara et c'est vrai qu'ils ont. C'est dommage qu'ils passent pas ici en Alcantara aussi. Ça aurait été lourd en Alcantara. Tout ça en carbone, le logo Quattro juste ici. Et ici encore une fois la console centrale complète en carbone. T'es le bourrin. Tu m'as dit tu peux accélérer. Accélère, gros bordel. Écoutez-moi ça les amis de l'intérieur, ça donne ça. Vas-y, accélère. Oh bordel, je vais avoir une autre cheat. N'importe quoi. Pour ce qui est des sièges à l'arrière, c'est un peu le même qu'à l'avant avec les petits nids d'abeilles, ils sont très sympas. Eh, tu mets tes chiens à l'arrière? Ouais. Écoute, c'est un break vraiment familial, ouais, tu peux mettre les gosses familial, et les chiens. Ça, c'est des chiens. Tu leur penches quoi à la caisse toi? Ça manque de chevaux un peu, non? Ouais, je trouve, il manque de coupe, il manque de chevaux. Franchement, y'a rien à reprocher. Hein. Ouais, le truc que je reproche un peu, mais après, c'est ma façon de conduire. C'est que je vais tout le temps à la station, quoi. Ce qui est bien, c'est que t'as lit tout en fait avec cette caisse. Tu vois, t'as envie de rouler. Là, le coffre, c'est incroyable. Tu peux mettre des armes dans le coffre. Ouais, tu peux mettre un corps dans le coffre. Bon, maintenant, on va rouler, hein. Ouais, vas-y. Bon les retours ils sont d'origine, hein. On rappelle ça c'est juste d'origine, genre il n'y a pas de retour en plus. Elle décolle la voiture putain. Elle décolle, elle calme. Ouais, l'avant il lève. C'est grave. Abusé. Bon, je compte sur vous vraiment pour mettre un pouce bleu, à vous abonner et mon Instagram, j'ai 3 tirés du bas de rien, n'hésitez pas. Griezmann casse sa RS6. Gros truc de permis. Tu sais, après, tu mets ça tourne mal. Oh, ouais, c'est un frère ou c'est vraiment Antoine qui a cartonné? Du coup, on est parti faire un petit tour, les amis. Après, ouais. Il y a plusieurs modes de conduite, t'as le confort, auto, individuel. Non, il n'y en a qu'un. Confort? Non, ouais. C'est confort. Ouais. Mais je sais, tu descends sans interdit là. Ah ouais? Bah ouais. Ah ouais. Quand même, mais vas-y, t'es trop tard maintenant, va là-bas, ouais, il est pas à droite. C'est la route, gros. Du coup, t'as plusieurs modes de conduite. Au niveau du mode individuel, tu peux
réglé tout ce qui est moteur, boîte de vitesse, l'amortissement, donc les suspensions pilotées, la direction dynamique, le différentiel sport, la sonorité moteur, donc les clapets. Et t'as aussi l'adaptive cruise control. Du coup, au niveau de la boîte de vitesse, c'est une boîte 8 rapports S-tronic. Bon, au niveau de la conso, conduite normale, tu dois être pas loin des 17 litres au 100. Et quand tu roules un peu sportif sur circuit. T'as roulé sur circuit avec Non. Okay, d'accord. Okay. Non, mon circuit à moi, tu dois être à 40 litres. Wesh, oulala, excusez-moi. T'es tellement violent, mec, la RS6 se prépare. Eh, c'est une des seules voitures vraiment qui me fait une sensation comme ça quand tu mets la patate. Je te jure qu'on a dit exactement pareil que toi. Regarde l'exemple même. Bien évidemment, tout en respectant la limite de vitesse, clairement. C'est important. Faire attention, c'est voilà. Important. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une grosse voiture qu'on fait n'importe quoi. Ah non, ça jamais. Ça claque de partout. Il y a des gens dans le coffre. Il y a des gens dans le coffre. Et quand tu pars à en première, c'est abusé. La première, c'est vraiment non, c'est n'importe quoi. Oh là là, le décollage. On est où? Histoire qu'on atterrisse quelque part. On va où tu veux, on va à Paris comme ça, je suis déjà arrivé à la maison. C'est... Au niveau du prix de la voiture, ça coûte à peu près combien? T'en as à peu près pour 100 prépa, j'en ai eu pour 80 quelques mille, tu vois. Je te le dis à nu, tu vois. Après, t'as rajouté de la prépa, l'esthétique. Là, t'en as pour un peu plus de 15 000 euros, tu vois, en plus de tout ce qui est esthétique. Ce qui coûte vraiment cher, c'est pas la reprend quand même, c'est les jambes déjà, ouais, la ligne et le covering. Eh, les gens, il a quelque chose à vous dire là, on parlait justement du quattro et tout et de l'utilité de la voiture. Quand tu vas prendre une caisse dans une 675 LT, tu vas arriver à hauteur du dodan, ton bas de caisse il est mort. Ici, tu arrives à 0 ou à 30, 40, voire au-dessus non, de 40. Non, t'as pas dit ça, t'as dit 60. Ouais, bon, si on arrive à 80 sur le dodan, et ben, la caisse elle bouge pas. Mais ne faites pas les cons sur la route, parce qu'il y a des vies en jeu, c'est important. D'accord. Il y a des jeunes qui nous regardent, et ben, faites pas les cons, c'est tout. Ah, mais c'est vrai, arrête de foutre de la gueule. Allez, je coupe. Voilà, c'est mignon. On va faire les balades du dimanche. Et surtout les amis, n'oubliez pas ce qu'il a dit avant. Faites attention et ne faites pas les cons sur la route. Oui, ça c'est très important. Même si on aime bien rouler. Je coupe une deuxième fois cette vidéo. Les amis, faites attention sur la route. Oh putain. Je meurs avec Théo Griezmann en live. Ça, ça va faire des vues ça. Faites attention sur la route les amis. Faites très attention. On rigole pas avec ça. Pas du tout. Il y a rien qui fait dans cette vidéo mec. T'as déjà baissé les sièges à l'arrière? Hein? T'as faire l'amour, non? Ah, un boîtier, c'est quoi ça? Ça, c'est le différentiel de la caisse. J'ai tout enlevé. Voilà, je tiens la GoPro à deux mains. Ce coup-là, j'ai pas besoin de la couper. Ça envole pas mal. Faites attention sur la route, les amis. Faites très attention. On rigole pas avec ça. Bon, les amis, du coup, on a pris le volant. Surtout, je voulais dire un truc, un petit message. Ouais, parce que je t'ai pas entendu parler au moment voilà. De l'intervention. Je voulais dire, roulez tranquille et respectez souvent le code de la route, c'est très important. Ouais, c'est très important. Théo vous le dira. Ouais, il est chaud lui aussi, hein, quand même. Ouais, ça roule pas mal. C'est la première fois que tu montes en passager, toi? Ouais, parce que j'aime pas. En fait, j'aime pas la sensation de monter en passager. Tu vois. Ouais, ça t'aime pas, genre? Non, ça me dérange pas, j'ai l'habitude. Mais voilà, tu vois. Attends, écoute dans le tunnel. En fait, quand t'achètes chez Audi, ils te mettent des gens dans le coffre pour faire plus de bruit. Et ben, on arrive au Super U, donc je coupe. Comme on n'arrête pas de vous dire tout au long de cette vidéo, roulez pas trop vite, c'est important. C'est dangereux, faites attention. Roulez que sur circuit. Ou circuit personnel. N'oubliez pas le pouce bleu quand même. Exactement, le pouce bleu pour ça. Ouais, pour ça. Pour ce bruit. Cette chanson. Ah, c'est ouf parce que tu sens même pas la vitesse quand t'es au volant. Ça monte et... Oh putain. Non, moi j'aime bien, j'apprécie. Mais surtout les amis, le principal c'est faites-vous plaisir dans la vie. Quand on peut. On veut. On veut. Non, quand on veut, on peut. On a dit la même. Quand on peut, on veut, mais c'est vrai aussi. Et dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo ensemble. Faites attention sur la route. Ouais. Un peu de bruit quand même.
dernière fois on a allumé le barbecue avec. Si cette vidéo atteint 5000 pouces bleus, je lui ai proposé que je lui ramène ma caisse. Je lui fais essayer le 1663. 5000 pouces bleus, si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo avec Théo, mettez les petits pouces bleus. Ton Instagram c'est Théo Griezmann. Le mien G3 tiré du Badrien, les deux s'affichent en dessous. On espère que vous avez kiffé la vidéo. En voilà. Tout cas. Toujours dans la sécurité, voilà, comme voilà. Tu vas nous le montrer maintenant, ça va être très sécurisant. Voilà. Et puis sur ce, nous on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Bye bye. Bye.